Pour clôturer la série de nos entretiens sur la commune de Bastia, nous recevons le maire actuel, l'homme qui mène la liste, Bastia Bioufort Insem, Pierre Savelli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut et merci pour votre invitation. Le remplaçant de Gilles Simeoni. Combien de fois vous avez entendu ce slogan à votre endroit ? Aujourd'hui, c'est vous qui allez au feu du suffrage universel dans une élection qui a précipité les succès d'hier, qui revêt une importance capitale pour les prochains. Est-ce que vous mesurez cette lourde responsabilité ? Comment vous la portez, tout bonnement ? Monsieur Vincenzi, assumer la responsabilité passionnante de maire, assurer la suite d'un personnage comme une personnalité comme Gilles Simeoni et assumer avec Gilles Simeoni la succession de la suite de 50 années de gestion plus que critiquable n'a pas été chose aisée, mais nous sommes acquittés de la tâche avec passion, avec sérieux, et c'est pour ça que nous présentons à nouveau devant le Bastiais pour leur demander leur soutien pour pouvoir continuer notre œuvre et notre travail. Alors justement, pour illustrer notre entretien, le bilan de votre mandature avec Pierrick Nanigne et François-Albert Bernardi. Bastia, c'est avant tout la première grande victoire des nationalistes et le point de départ vers la conquête régionale. Alors, après 6 ans en responsabilité, quel bilan peut-on tirer de l'action de Gilles Simeoni et puis de Pierre Savé ? Les attentes étaient immenses, beaucoup s'attendaient à un changement radical, mais l'exercice du pouvoir a fait quelques déçus, comme souvent. La majorité revendique des points forts. Le premier, c'est l'Aldilonde, cette passerelle le long de la citadelle pour relier le nord au sud de la ville, même s'il est impossible de l'emprunter aujourd'hui puisque toujours en travaux. Juste à côté, dans la même logique et là aussi toujours inaccessible, c'est le Mantinome, cet ascenseur qui devrait reconnecter la citadelle avec le vieux port. Il sera accompagné d'un théâtre de verdure. Enfin, ils l'avaient dit, ils l'ont fait, l'instauration d'une démocratie participative. 8 conseils de quartier ont été créés et 150 000 euros injectés dans la réalisation de projets. Au total, c'est 100 millions d'euros qui ont été investis durant 6 ans. En revanche, du côté de l'opposition, on est beaucoup plus critique sur le bilan. Les projets structurants, ce seraient uniquement ceux de l'ancienne mandature Zuccarelli. On pointe aussi le manque d'ambition des sortants. Bastia serait une ville à l'arrêt, sans projet pour le stationnement, avec un centre-ville en berne et sans aucune vision globale. À chaque élection, le bilan des sortants est toujours un élément déterminant dans la campagne. Il sera cette fois encore à coup sûr sujet à controverse entre les différents candidats. Jamais un maire de Bastia n'avait été autant en phase avec la majorité territoriale. Et pourtant, pour l'opposition, vous n'avez mené à bien que des projets déjà lancés sous la mandature Zuccarelli. Pour vous, Pierre Savelli, Bastia a-t-il autant changé que vous le rêviez en tant que militant, en tant que citoyen ? Bastia a déjà beaucoup changé, mais Bastia va encore beaucoup changer. Bastia est une ville qui est en train de se métamorphoser grâce aux travaux que nous avons lancés, grâce à d'autres chantiers que nous avons également lancés, parce qu'on parle surtout des chantiers structurants. Nous avons eu pendant le reportage Mantinome, Aldilonde, le parking Gaudin, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits, mais nous avons aussi beaucoup travaillé au niveau du social, nous avons également travaillé en termes de démocratie participative, et nous avons remis en place un fonctionnement normal au niveau de la mairie de Bastia et des relations normales entre les élus, le politique et l'administration. Vous parliez de social, la Cité des Monts, c'est le dossier dont s'est emparée l'opposition au cours de cette campagne. Derrière ce dossier de débat de l'aménagement urbain entre le choix reconstruction ou réhabilitation, quelle lubine vous rêvez demain pour Bastia ? Alors, ce projet Cité des Monts de l'Arc et des Arbres est un projet qui dépasse largement les bâtiments en 32 et 33, largement même la Cité des Monts de l'Arc et des Arbres. C'est un projet qui intéresse l'ensemble des Bastiais et on oppose aujourd'hui reconstruction et déconstruction. Sachez que ce projet comporte quand même 650 rénovations et sans déconstruction, mais qui sont rendues obligatoires par plusieurs nécessités. Nous avons fait travailler beaucoup d'experts, des urbanistes, des architectes, des spécialistes de la dimension sociale. Donc vous prenez ce projet, vous le mènerez bien si vous êtes élu maire. Et nous le mènerons bien si nous sommes élus maire. Démographiquement, économiquement, Ajaccio ne cesse de creuser l'écart avec Bastia. C'est une tendance lourde qui ne vous est pas entièrement imputable. Est-ce que c'est inexorable et est-ce qu'il faut nécessairement faire la course avec Ajaccio ? Alors, il ne faudra surtout pas faire la course avec Ajaccio, il faudra travailler main dans la main avec Ajaccio et le territoire et les pays ajacciens. Et c'est exactement ce que nous voulons faire au niveau de Bastia, c'est-à-dire arriver à mener à bien l'agrandissement de l'agglomération jusqu'à Luciane, dans un premier temps, et voir ensuite avec le Nîmes, la Concadore et le Cap, naturellement. C'est une logique de territoire. Chaque commune de l'agglomération et de la future grande agglomération n'auront que des bénéfices à tirer de cette future grande agglomération. Pierre Savelli, en 2014, Gilles Simeoni avait réalisé au premier tour 5481 voix. Depuis, les nationalistes sont en mairie, la même majorité a ravi la région. À quelle hauteur votre action serait-elle validée par le peuple, selon vous ?
L'auteur sera que nous savons que nous serons largement en tête au sort du premier tour et que fort de notre bilan, fort de nos projets et de notre programme, nous serons portés largement en tête donc, au sort du premier tour et que nous pourrons envisager le second tour avec sérénité et confiance. Si d'aventure, parce que la politique en offre, vous aviez besoin des voix de Pierre Bachty à l'Alliance Course Égalité PNC ou encore de Corinne Front pour gagner, comment le vieux militant que vous êtes, considérait-il la stratégie globale de FEM et les besoins à Bastia? Vous savez que nous sommes dans une dynamique de rassemblement. Ce rassemblement n'a pas pu se faire au-delà, enfin, avec les forces nationalistes au premier tour. Nous verrons au soir du premier tour si sur nos valeurs et sur notre programme, nous pouvons rassembler encore plus largement. Vous rassemblerez autour de vos idées et pas au niveau comptable, c'est on ça que vous voulez dire. Autour de nos valeurs et autour de notre programme. Merci beaucoup, Pierre Savelle. Réponse dans les urnes les 15 et 22 mars prochains.